C'est bon, voilà, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Alors cette maison de retraite, t'en es où? Oh, ils auront une place pour moi en fin d'année. Tu sais, moi je te trouve trop jeune pour aller t'enterrer là-bas. Qu'est-ce que t'en sais? Eh bien en tout cas, c'est mon avis. Et ta femme est toujours à New York? Oui, elle s'est lancée dans les cadeaux de Noël. On n'a même pas encore fêté Thanksgiving. Ah, tu connais Théa. Il faut toujours qu'elle s'y prenne au moins un mois à l'avance. Oh, mon pauvre. Je déteste quand tu t'en vas. Oh, chérie, je ne serai absente que 3 jours. La dernière fois que t'as dit ça, t'es partie 5 jours. Écoute, chérie, tu sais comment c'est quand tu es embauchée. Ils te font toujours faire le sale boulot. Et t'as une sacrée expérience dans ce domaine. Dès mon retour, je te promets de trouver un nouvel appartement. Je vais devoir changer encore d'école. On va faire en sorte que tu la gardes. Allez, j'y vais, le retourne. Bien. Je serai là pour Thanksgiving. Bien. Allez, fais pas la tête. Occupe-toi d'elle. T'inquiète pas, ça ira. Et bonne route. Merci pour tout. Jane Kelly faisait quoi? 1m65. Carl, tu la joues cette partie ou quoi? Mais mes yeux refroidissent. Ma femme mesure 1m68 et il était plus grand. Merde, tu dois le savoir, toi. Tu sais, tu devrais réfléchir. T'as une jolie petite maison. Quel est l'intérêt? Je suis tout seul. Prends son cavalier avec ton fou. Roxy, à ton avis, Kelly, quelle taille il faisait? Kelly qui? Moi, je vais vous dire, avant Chantons sous la pluie, je l'ai vu dans Magicien d'Oz, il jouait un nain. Non, la reine, il pourra plus bouger, c'est mieux. Berthe, oublie cette idée de maison de retraite. Si ça te fatigue à ce point, cette maison, prends un appartement en ville. Bah tiens, tu me prends pour Rockefeller ou quoi? Roxy, j'ai vu la pub où tu joues la mère Noël à la télé hier soir. Oh, gling, gling. C'est quand tu veux, mon grand. Bravo. Échec. Je dirais même plus. Échec et mat. Dieu qui m'agace. Ça fait combien de temps qu'il te bat aux échecs? Bien avant que Lincoln ne soit assassiné. Grâce au ciel, tu étais meilleur agent que joueur d'échecs. Eh ben moi, je vais aller faire les boutiques de Noël. Ça intéresse quelqu'un? Tu penses à Noël? Ben oui, pourquoi? Mais enfin, on n'a même pas encore fêté Thanksgiving. Ah, il faut que je prévoie à l'avance. J'ai un tas de petits-enfants, tu sais. Allez, à bientôt les garçons. À bientôt aussi. Soyez sages. Rebecca, on vous attend, les filles. Elle dit qu'elle a pas faim. Marie aurait pu appeler quand même. T'as essayé sur son portable? Mais oui, bien sûr que j'ai essayé. Auprès de qui on pourrait se renseigner? T'as appelé à son travail? George, c'est Thanksgiving. Moi, je crois qu'elle a été retenue. Elle doit se trouver sur la route. Elle va arriver d'ici quelques minutes. Je peux vous aider? Vous êtes Bertrand O'Reilly? Ah ça oui, on ne peut rien vous cacher. Bonjour, je suis l'agent Lee. Monsieur O'Reilly, votre fille se trouve à l'hôpital Saint-Joseph. Elle vient d'avoir un accident de voiture. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Il faut que j'y aille tout de suite. C'est bien Saint-Joseph, hein? Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Merci, merci beaucoup. Se repose, n'est-ce pas? Je suis le docteur Burney. Oui. Elle est inconsciente depuis son arrivée. Elle a reçu un violent choc à la tête. Ça a comprimé les tissus de son cerveau et a provoqué une hémorragie cérébrale. J'avoue que c'est ce qui m'inquiète le plus. Mais enfin, elle va s'en sortir, docteur. Attendons de voir comment son état évolue. Je suis Catherine Waters, des services sociaux. Mais je croyais qu'elle vivait avec sa mère à San Francisco. Oh, mon Dieu! Mais je ne sais pas si elle est au courant. Votre ex-femme est morte. Brenda? Oui. Quand ça? Sa mort remonte à 3 ans, Monsieur O'Reilly.
Et votre fille, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue? Ça doit faire 12 ans. Oui, 12 ans. Alors vous ignorez que vous avez une petite fille? Pardon? Eh oui, elle a 10 ans, monsieur O'Reilly. Elle s'appelle Rebecca. Actuellement, elle est chez les parents d'une amie. Votre fille venait de trouver un emploi comme représentante. Elle voyage beaucoup. Ce sont les parents de son amie Eve qui nous ont appelés après Thanksgiving quand Marie n'est pas rentrée. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Rebecca. Elle m'a parlé de vous. Et c'est pourquoi je suis venue vous voir. Il faut que vous puissiez vous occuper d'elle. Le temps que sa mère se rétablisse, ensuite elle reprendra Rebecca. Mais un père, cet enfant. Non, non, oubliez-le. Il ne reste que vous, monsieur O'Reilly. Vous êtes son seul soutien. Monsieur O'Reilly, je vous présente votre petite fille, Rebecca. Rebecca, voilà ton grand-père. Contente de rencontrer Rebecca. C'est ton gilet préféré, c'est ça? Et comment tu sais ça, toi? Où se trouvent les toilettes? Oui, au fond du salon, la porte sur ta droite. Edith, c'est tout ce qu'elle a. Non, il faut récupérer sa valise chez son amie Eve. Ah bon. Signé ici. Et là. Et ici. Vous croyez qu'elle va hiberner dans la salle de bain? Oh, pour le moment, elle est perdue. Effrayée. Et énervée. Énervée? Ah bon? Et pourquoi? Sa maman n'est pas là. Oh. C'est la 5e fois qu'elle doit changer d'école en 3 ans. Elle doit quitter la maison de sa meilleure amie et venir s'installer chez vous. C'est très dur, elle ne vous aime pas trop. Ça, c'est la meilleure. Elle ne me connaît même pas. À force d'écouter sa mère et sa grand-mère, elle s'est fait sa propre opinion. Et dans ce cas, c'est sûr qu'elle ne doit pas m'apprécier. Le dîner est prêt. Non, j'ai pas faim. Mais c'est ma spécialité, je t'ai fait des fettuccine. Tu te sentirais mieux si tu mangeais un peu. Écoute, pour ta maman, ne t'inquiète pas, ça va aller, j'en suis sûr. Je suis pas inquiète. Bonsoir à tous. Pour notre première émission, nous allons accueillir un invité qui nous vient d'Angleterre, Sinjin Baron. Merci, merci à vous tous. Je suis heureux d'être parmi vous. Noël approche et ça va être la fête. Rebecca, il faut se lever. Rebecca! J'ai entendu!
je suis très très pressée là. J'ai dit, je suis très très... J'ai entendu. Suivant. Bonjour. Ah, docteur Burnett. Je vous présente Rebecca, la fille de Marie. Ah, bonjour Rebecca. Bonjour. Ta mère va beaucoup mieux aujourd'hui. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Je pense que oui. Mais ça risque de prendre un peu de temps. Il faut que tu sois patiente. Et est-ce que vous auriez une minute, docteur? Bien sûr. Docteur. Elle est toujours inconsciente. Oui, nous la maintenons exprès dans cet état. Pourquoi? Il faut qu'on arrive à réduire l'hématome qui compresse la boîte crânienne. Votre fille est jeune, forte et répond bien au traitement. Je suis vraiment confiante. Ses progrès vont dans le bon sens. Je crois que vous savez ce que vous faites, docteur. Merci pour tout. Ne donnez rien. Vous pouvez nous laisser? Ce ne sera pas long. Mais pourquoi elle serait folle de rage d'apprendre que je suis là? Et pourquoi tu crois qu'elle n'a pas voulu donner signe de vie depuis 12 ans? Assez joué, Johnny. Sors de là. Il vous en suffit, dites-moi ça. J'ai reçu l'ordre d'en finir avec toi, mon gars. N'énerve pas, sale. Il me faut juste un peu de temps. C'est terminé, fiston, et tu le sais. C'est pas un peu tôt pour ça? Tu jouais là-dedans? Ouais, j'étais le gars à la mitraillette. Sale, je t'en supplie. Wow. Désolé, Johnny. Qu'est-ce que t'as vieilli? Tout le monde vieillit, tu sais. T'as eu la fille à la fin? Ah, en général, je disparaissais au bout de 20 minutes. Par contre, Jenna, j'ai bien failli la voir. De toute façon, c'est barbant comme histoire. Des photos de tous tes vieux films? Mmh. Ouais. Je croyais que ta passion, c'était la comédie musicale. Ah, c'est exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé qu'avec cette tête, j'ai été catalogué et ils ont dit, tu seras le méchant. Grand-mère disait que c'était parce que tu avais la grâce d'un canard et la voix d'un crapaud. La prochaine fois que tu veux regarder dans mes affaires, tu demandes. Peut-être que tu joues les gros durs dans les films, mais en réalité, tu t'évanouis dès que tu vois du sang. Qui t'a dit ça? Grand-mère! Salut! T'as vu ce que maman m'a offert? Oh, tu peux en mettre beaucoup? Des milliers. Oh, Vénard, c'est trop cool! Bonjour, Rebecca. Bonjour, Christine. Vous êtes le grand-père de Rebecca, je suppose? Oui, madame. Berthe O'Reilly. Très heureuse de vous rencontrer. Voici mon mari, George. Bonjour. Si vous pouviez m'ouvrir le coffre. Merci. Comment va-t-elle? Oh, elle va bien. Est-il exact que vous ne l'aviez jamais vue auparavant? Oui. Ça ne vous paraît pas étrange de découvrir que votre petite fille habitait à deux pas? Ce qui est étrange, c'est que vous me posiez cette question. Pour moi, il est clair que ça ne vous regarde pas du tout. On peut aller dans ma chambre? Chérie, nous déjeunons avec ta grand-mère, il faut qu'on y aille. Même pas une minute? L'heure tourne, ma chérie. Eve, ta maman te laissera venir dormir chez moi, j'espère. Quand vous voulez. Ce serait super. Je peux, maman? On verra. Mais maman... J'ai dit, on verra.
Très bonne journée, Monsieur O'Reilly. Ça a été une joie de vous rencontrer. Madame. George, ça a été un plaisir. Je t'appelle, Eve. D'accord. Bonne chance, ma grande. Approche, approche, approche. Oui, c'est bien. Tu sais, je me souviens qu'une nuit avec mon père, on était assis sous le porche tous les deux. Il y avait une grosse tempête qui sévissait dans la région avec le tonnerre, les éclairs. Oh, j'en venais par là, tu vois. Et devine ce que mon père m'a dit. Tu sais d'où ça vient le tonnerre? Ce sont les nuages qui se tapent dessus. T'y crois pas, toi, hein? Même moi non plus. Oh, bon sang! Tu veux que je te dise comment les orages se forment? Ou ça te dirait d'écouter une jolie berceuse écossaise? C'est ma mère qui me la chantait. Hein? D'accord? Attends, voyons voir si je m'en souviens. Dans mon cœur et pense qu'il est l'heure. C'est la nuit, c'est le sommeil qui te prend sous son aile. C'est la Bonjour. Rebecca, Roxy est là. Ah, Rebecca, tu savais que Roxy avait chanté à Broadway? Tu le savais? Oh, je t'en prie. Quoi? Oh, elle a aussi été une grande meneuse de revue. Dis donc, toi, t'aurais pas des choses à faire? Si. Tu comptes sortir dans la rue dans cette tenue-là? Oui, qu'est-ce qui cloche? Dites-lui. Il est un peu vieux, non? Tu ne trouves pas? Ah, justement, j'aime bien. C'est si confortable. Et tu vas où comme ça? Là, je file t'inscrire à ton école. Ah, et tu seras obligé de me déposer à l'école, hein? Oui, pourquoi? Dans ce cas, t'as qu'à me déposer à mon ancienne école. Ah non, parce que chaque quartier a son école, tu vois. Allez, à tout à l'heure, hein? D'accord. Lui, c'est Karl. C'est l'ami de ton grand-père. Il est d'ailleurs devenu son agent. Ça remonte à l'époque où Bert est arrivé à Hollywood. Alors, il a forcément connu ma grand-mère, Brenda. Et oui, bien sûr. Allez, assez regarder ces photos d'un autre temps. Parle-moi un peu de ta maman. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Ben, là, elle vend des appareils photo. Mais en fait, ce qu'elle aimerait, c'est vivre de ses photos. C'est une bonne photographe, alors? Elle a fait des études poussées. Oh, je vois. C'est sûrement dur pour elle d'être à l'hôpital. Elle ne serait pas dans cet hôpital si elle était restée à la maison. Est-ce que tu as peur d'aller dans cette nouvelle école? Je ne serais pas obligée de changer si elle était restée avec moi. Tu lui en veux un peu à ta maman, hein? Moi, j'ai changé d'école un paquet de fois, crois-moi. Et à chaque fois, je l'emmenais pas large. C'était pas facile de se faire des amis. Oui, ça prend du temps et on est très seul. Oh, ma chérie. Ça, je m'en doutais un peu. Allez, je vais me faire un petit café. D'accord. Allez vite, c'est l'heure. Ah, la voilà. Ashley, voici Monsieur O'Reilly. Bonjour. Bonjour. Il vient d'inscrire sa petite fille Rebecca. Elle sera chez nous demain. Tu vas t'en occuper. Oh, pas de souci. Ashley va se charger de Rebecca. Elle va lui montrer différentes choses, comme le casier, la classe de Monsieur Boudreau, et elle la présentera un peu partout. C'est merveilleux. Ashley était dans la même situation l'année dernière. Oui. Je te vois à la première heure dans mon bureau. Oui, madame Ortiz. Au revoir. Au revoir.
J'attends Rebecca dès demain, alors. Oh, ça, c'est sûr, madame. Et merci à vous. Merci infiniment. Oh, mais je vous en à prie. À demain, alors. Au revoir. Et t'as pas mal bougé, on dirait. Ah oui, sans arrêt. Quand j'avais ton âge, comme on n'arrêtait pas de déménager, il y avait une chose qui me tenait à cœur et que je voulais à tout prix pour Noël. Tu sais ce que c'était? Ma cheminée dans la maison pour que le Père Noël puisse venir. Et t'avais 10 ans? Oui. Ah, tout ça, le Père Noël, je n'y croyais plus, mais ce qui comptait, c'était une maison où on se sent à l'abri et où on pose enfin ses valises. Ma grand-mère était chanteuse. Oui, je sais. On chantait ensemble. Ça me manque. Si tu veux, on pourrait chanter toutes les deux. D'accord. Allez, on se lance. Je trouve. Allez, c'est à toi. Moi, je parie que tu connais pas mal de chansons, non? Ma grand-mère m'a appris 2-3 trucs, mais j'ai jamais chanté devant quelqu'un auparavant. Et pourquoi? J'en sais rien. Tu connais des chansons de Noël? Jingle bells? Tu es prête? On la chante ensemble. D'accord. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun! Débrouille très bien. Détends-toi. Allez, tu reprends depuis le début. D'accord. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Bravo! Très joli! Tu savais que cette petite chantait comme ça, toi? Ah, je l'ignorais. Là! Oh! Oh! T'entends ça? Non, quoi? Le chant de la victoire! Ouh! 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 Échec et mat! Toi, tu m'énerves! Dis, je peux jouer? Ah, mais on joue pas aux dames, là. Je sais. Est-ce que tu sais comment on joue? J'ai lu un bouquin là-dessus. Bon, pousse-toi un peu, car laisse-la s'installer. D'accord. Attends, il faut qu'il y ait un enjeu. Un quoi? Bah, tu sais, un pari. J'ai pas de sous, moi. Attends, voir, si jamais je gagne, tu arrêteras de claquer la porte de ta chambre durant une semaine. Bon. Moi, si je gagne, j'irai brûler cet horrible cardigan. Arrête, malheureuse, c'est son cardigan préféré. D'accord, alors, on le mettra en terre? Bon, ça marche. Très bien. Bon, écoute, je tourne le jeu de ce côté. Comme ça, tu auras les blancs et ce sera à toi de commencer. D'accord. C'est parti. On y va. Dis, ce pion, il avance tout droit? Ben oui. Bon, alors, cette pièce va tout droit et peut aller des deux côtés? Non, le cavalier va du blanc au noir en perpendiculaire. Le fou se déplace en diagonale. Bon, compris. Ah. Voilà, une partie qui prend forme. Elle peut aller où elle veut? Oui. D'accord. Ah. Je crois que tu devrais potasser encore une fois ton bouquin. T'entends ça? Quoi? Le chant de la victoire. Échec et mat. Échec et mat. Non, elle t'a fait le coup du berger, la coquine. Si tu veux lire mon bouquin, je te le donne. Oh.
temps. Il m'avait coûté une fortune. Tu l'as bien amorti. Tu le fais quand, le sapin de Noël? Je ne fais jamais de sapin de Noël. Maman, elle faisait le plus beau sapin du quartier. Elle avait quel âge, maman, quand t'as quitté grand-mère? Quel rapport y a-t-il entre le sapin de Noël et ce lointain souvenir? Dis donc, je trouve que c'est une dérobade de répondre à une question par une autre question. Et où as-tu appris ce mot si savant? À la télé. Est-ce que tu sais au moins ce que ça veut dire? Alors? Alors quoi? Alors, elle avait quel âge, maman, quand t'as quitté grand-mère? J'en sais rien, moi. 2 ans, je crois. 2 ans et demi. Si tu le sais, pourquoi tu me le demandes? Pourquoi t'es partie? Qui t'a dit que j'étais partie? Grand-mère. Oh. Alors? Pourquoi? Bah, si tu connais déjà la réponse, te gêne pas. Parce que tu voulais pas de maman. Qui t'a dit ça? Grand-mère. Ah, tenez. Voilà, enfin. On t'attendait. Attendez, cette rentrée. M'en parlez pas. J'aurais jamais cru qu'accompagner une fillette de 10 ans à l'école, c'était comme aller à la guerre. Ah, alors tu l'as déposée? Oui, à l'instant. Ah, jeune homme, pousse-la un peu à gauche. Oui, c'est ça. Pourquoi tu la sticoles? Ah. Et ça va, Marie, ça s'arrange? Elle est consciente ou pas? Pas encore. Mais ils disent que son état est stable. Alors faut se montrer patient. Je sais qu'elle va s'en sortir, Bert. Je suis d'accord avec lui. Allez, croisons les doigts. Merci. Roxy nous a dit que Rebecca chantait comme un rossignol. Et comment? Elle a une jolie voix, hein. Tu nous la présentes bientôt. Ah, bientôt. Ouais, bientôt. T'as peur qu'on la mange toute crue dès le début, à vous? Non, tu rigoles. C'est elle qui va vous manger tout cru avant que vous ayez pu comprendre ce qui vous arrive. Elle ressemble à sa grand-mère, alors. À sa mère aussi, je crois. Quelle importance tout ça? Elle est comme toi, elle. T'as ta petite fille pour les fêtes et elle, elle a son grand-père. C'est tout ce qui compte, dans le fond, non? Vous êtes en train de comploter contre moi ou quoi? Ben, j'ai rien en tête, mais toi, ma grande, t'en dis quoi? Oh, j'ai rien dit du tout, car... Jack? Bon, j'ai dit un truc, mais ça m'a échappé. Ah. Bon, allez, j'ai une fin de loup, moi. Alex? Oui? Comme d'habitude. Bien sûr. Alors, ton grand-père était un acteur connu? Pas exactement. Il voulait faire du musical, mais comme il était laid, il a interprété des méchants. Toi, tu chantes? Oui. Et si tu t'inscrivais à la fête de fin d'année, ça te permettrait de rencontrer d'autres filles? T'as pas oublié tes devoirs? Je les ai pris, c'est bon. Salut, à demain. Merci encore pour maîtresse. C'est quand tu veux. Rebecca, le médecin a appelé. Ta mère a repris conscience. Est-ce que ça va? Elle rentre bientôt à la maison? Non, mais tu vas pouvoir lui parler. Enfin. J'attends ça. Et moi non. Ton visage me manquait. Je suis là, t'inquiète pas. Tu vas bien, chérie? Oui. J'ai appris que tu vivais chez Berthe. Il est là? Il a pas voulu venir. C'est lui tout craché, ça. Et comment ça se passe avec lui? Beaucoup mieux que je le croyais. Monsieur O'Reilly? Ah. Vous n'entrez pas? Non. Rebecca, désolée de jouer les troubles faites. Je vais devoir te mettre dehors. Oh, elle vient à peine d'arriver. Les médicaments commencent à faire effet. Oui, c'est vrai. Vous devez vous reposer. Je suis désolée, bébé. C'est pas grave. Dans un jour ou deux, tu pourras rester plus longtemps. D'accord. Allez, je te laisse. Je t'aime, maman. Oui, moi aussi, chérie. Je t'aime. À bientôt. Merci. Elle a l'air mieux, on dirait. Oui, beaucoup mieux qu'avant. Hey. Tu sais, t'aurais dû venir. Ah, ah, ça y est. Hey. Ah. Ah. Ah.
J'ai mis tes affaires à laver, mais c'est drôle, j'ai l'impression que la couleur a un peu changé. Ah, oh, mais tu plaisantes, là. Et en plus, c'était mon chemisier préféré. Les filles aiment bien le rouge, non? C'est délavé et très moche. Oh, comment ça, moche? Plutôt mourir que de porter ça. Eh ben alors, on a un gros problème, parce que toutes tes affaires sont devenues plutôt roses. Mais c'est une catastrophe! Ben, désolé, j'ai essayé. Il n'y a qu'une solution. Il faut réparer tes bêtises et m'acheter de nouveaux trucs. Moi? Acheter des vêtements de fille? Il y a une autre personne dans la chambre? Coucou! Ah, c'est toi! Tu me tires une épine du pied, ma grande. Berthe, si tu savais comme ça m'amuse de dépenser tes sous, n'est-ce pas? Oui. Surtout évite de prendre des trucs roses délavés, hein. C'est ça. À tout à l'heure. Sois prudente. Mais oui. On a fait de bons achats. J'aime bien tes chaussures. Oui, c'est vrai. Tout est super cool. Moi aussi, je les aime bien. Merci, Roxy. On s'est bien amusé, hein. Mon école fait un spectacle pour Noël. Tu vas t'inscrire? Il faut passer une audition avant. Mais qu'est-ce que tu risques? J'ai jamais chanté en public, ça me fiche la trouille. Oh, mais tu vas les clouer sur place. Tu crois ça? C'est sûr. Tu vois, Roxy, tu pourrais peut-être me trouver une bonne chanson. Enfin, si je décide de le faire. Oui, t'inquiète pas, je vais te trouver ça. Berthe aussi te serait de bons conseils. Alors à toi de voir si tu décides de te lancer. Mais pourquoi il refuse de faire un sapin de Noël? Qui ça? Berthe. Mais depuis que je le connais, il n'en a jamais fait. Rebecca, le petit déjeuner est prêt. Ah, tout ça c'est nouveau, c'est toi qui as choisi ou c'est Roxy? Les deux. Eh ben moi je me suis fait avoir. Je prends des œufs brouillés. J'ai oublié d'en acheter. C'est pas grave. Est-ce que t'as aussi oublié le lait ou t'y as pensé? Madame, tenez votre lait et un sandwich jambon. Je préfère confiture et beurre de cacahuète. Tu vas adorer le jambon, c'est sûr. Tu sais, plus je te regarde et plus je me dis que c'est mignon. Je trouve que t'as l'air trop top. Merci. Et... Cette petite, elle me pose sans arrêt des questions alors qu'elle a déjà les réponses. Peut-être qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle avance. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? La réponse qu'elle te donne, c'est ce qu'elle a entendu. Là, elle te teste pour avoir ta version. Avoir des petits-enfants, c'est différent, je trouve. Comment ça? Ma petite fille, dont j'ignorais jusque-là l'existence, crée une relation si simple que j'ai l'impression de l'avoir toujours connue. C'est bon de sentir que la vie continue. Et ça rend heureux. Oh, faut que j'aille la récupérer. Et notre partie d'échecs, alors? Pas grave, attends moi, je reviens dans quelques minutes. Et ne t'avise pas de changer certaines pièces. Crois-moi, je le verrai tout de suite. Tu me connais. C'est chouette que tu te sois inscrite. Oui, remarque, j'ai la frousse. C'est intimidant d'être sur scène. Tu vas assurer. T'as pris quoi comme chanson? Je sais pas encore. Toi, t'as pris quoi? Moi, chanter devant un public? T'es malade. J'ai cru que tu... Non, penses-tu? Je m'occupe des lumières. Oh. Allez, à demain. On échangera nos déjeuners. Salut. Oui, à demain. Salut, Berthe. C'est juste un test, histoire de voir. Oui, tu parles. Ah, ils fonctionnent encore bien, ces neurones. Et comment?
T'as pas arrêté de ronchonner dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a un spectacle de Noël dans mon école, je vais passer une audition. Tu vas chanter? Bah oui. Excellent. Quand ça? Vendredi après la classe. Ça te laisse pas beaucoup de temps. J'ai demandé à Roxy de me trouver une chanson. Ah bien, ah, c'est bien ça, Roxy. Toi aussi tu pourrais me donner un coup de main, non? Et comment? Autrefois ton grand-père avait un joli timbre de voix. Grand-mère disait le contraire. Bah, oh, si elle s'était donné la peine d'aller voir les beaux spectacles qu'il a montés à l'université, elle aurait été étonnée. T'as dirigé des spectacles? On ne t'en a jamais parlé. Non. Alors, si je te demande de montrer des pas, c'est possible? C'est quand tu veux. Oh, super. C'est à ton tour de jouer, Berthe. Oui, voilà. Ça tourne au désastre, monsieur Sugarman. Oui, c'est vrai, mais j'en ai l'habitude. T'as vu ça, toi? L'heure tourne. Échec. Eh oui. Et Matt. Ah oui, vous jouez tous les deux contre moi. J'ai rien dit, moi. Mais j'ai rien dit, moi. Ah, c'est quoi ça, déjà? Oh, t'as pas oublié les lumières de Manhattan, Berthe. Ce que j'ai pas oublié, c'est qu'on ne l'a joué qu'une semaine. Oh, cette chanson faisait partie. Hein? Ah, écoute, Roxy a trouvé une chouette chanson pour toi. Ah. Elle ira avec ton timbre de voix. Qu'est-ce que t'en dis? Allez, fais un essai. T'as qu'à regarder la partition. D'accord. Tu vois, c'est là. Tiens, écoute. They say, why try? No way this can have a happy ending. Oh là là. Allez, c'est à toi. Je me lance. They say, why try? No way this is a... Je me suis trompée. Oh, t'inquiète pas, on va la travailler. Et pendant l'entracte, tu n'as qu'à faire quelques pas de danse. Mais je sais pas comment faire ça. Oh, je t'apprendrai. Grand-mère disait... Que je danse comme un canard, je sais. Ne crois pas tout ce que t'as entendu. Tu sais, il faut que tu te lances. Il faut que tu t'amuses. Oui, lance-toi. Montre-leur ta personnalité. Alors, vous croyez que je peux y arriver? Oh, oh oui. Walk away while you can. They say, bad break, tough luck, your plan fell flat, but I say, hey, we'll see about that. If I put one foot in front of the other, I know I'll find my way. Put your money on me, I'm a long shot, who's gonna pay? Why can't they see it? They say, give in. Get out, failure is looking at you. They say, give up, slink away while you can. They say, hapless, hopeless, your dream went splat, but I say, hey, we'll see about that. I'll make good, there's no doubt, 'cause I'm too dumb to give up and too young to give out. Let them say what they wanna say. Ça va, ça va, je sais, je sais. Bonjour. Voilà l'artiste. Rebecca, lui, c'est Monsieur Johnson. Non, appelle-moi Adam. Tu sais, il a dansé dans des comédies musicales, mais il était si nul qu'il est devenu chorégraphe. Oh, le rat hors de ma vue. Dur et pour son niveau. Et voici M. Jack Fast. Il avait le premier rôle sur scène. Ah, et c'était quand il était jeune et beau. Ah bon?
Non, je l'ai été. Oh, je ne m'en souviens plus. Roxy nous a raconté pour ton audition. Elle a dit que tu les as épatés. J'attends pour l'instant. Quand les résultats? Ah, dans la matinée, je pense. Et comme on se retrouvait ici, je leur ai donné le téléphone. Oh, il faut que je prévienne. Ah oui. Alex, si tu cherches des pas de danse, je peux t'aider. C'est un bon. Carl, toi, tu connais Bert depuis très longtemps, je pense. Oh, ça oui. Alors, explique-moi, tu dois savoir pourquoi il veut pas entendre parler d'arbre de Noël. Je crois que c'est parce que Noël lui rappelle de mauvais souvenirs. Lui et ta grand-mère se sont séparés. Oh. Je dois dire qu'il n'en a plus fait depuis cette date. Oui, c'est vrai. J'ai prévenu Alex. Il n'y a plus qu'à attendre le coup de fil. Oh, Rebecca, peu importe ce qu'il décide, moi, je voulais que tu saches que je suis vraiment fière de toi. Mais tu parles. T'as eu un sacré courage de te lancer. Oui, allô? Oui, il est là. Berthe, c'est pour toi. Ah, quand on parle du loup, hein, j'y vais. Je vous le passe. Merci. Allô? Oui, un petit café avec un verre d'eau. Rebecca, je suis désolé. Mais tu es prise. Ah, ils t'ont choisi pour chanter en vedette, t'imagines? Je suis un homme pour la danse. Attends, c'est à Rebecca. Oui, attends, à Rebecca. Regardez-la, elle est toute rouge. Allô? Docteur Burnet à l'appareil. Oui, docteur. Marie est sortie des soins intensifs. Oh, quelle bonne nouvelle, docteur. À tout à l'heure. Oui, merci infiniment. De rien. Oh, bon sang. Rebecca! Quoi? Devine! Ta maman est sortie des soins intensifs! C'est vrai? Je suis sûr qu'elle a hâte de te voir! Tu vas lui parler du spectacle! Oui! Hein? C'est quoi son numéro de chambre déjà? 21-25. Ah! Ah, on y est! Ouais! Toi, tu y vas, d'accord? Je t'attends là. D'accord. Chérie. Coucou! Où est Bert? Il attend dans le couloir. Demande-lui de venir. D'accord. Elle veut que tu viennes. Moi? Tu as une mine... affreuse, je sais. Oui, mais tu es là. C'est tout ce qui compte. Oui, c'était moins une. Écoute, je voulais te dire merci. Mais de quoi? De t'être occupé d'elle, voyons. Oh, c'est la famille, hein? Ne commence pas avec ça, Berthe. Ah, oui. Mais bon. Mais je le pensais quand je t'ai dit merci. Oh, tu sais qu'elle va faire un spectacle pour la fête de fin d'année. Tu vas chanter? Oui. Et danser. Ah, oh, c'est bien, chérie. Mais vous avez sûrement un tas de choses à vous dire, alors je vous laisse tranquille. Je repasserai tout à l'heure. Je veux tout savoir. Raconte-moi tout depuis le début. D'accord. Voyez-vous, sa commotion cérébrale a fait des dégâts au niveau neuromoteur. Qu'entendez-vous par là? Sa jambe gauche est un peu inerte, elle manque actuellement d'équilibre. Ça risque d'être permanent. Nous en saurons plus quand elle ira à la rééducation. Mais sachez qu'elle ne peut pas se débrouiller seule. Oh. Ah, c'est merveilleux. Ta grand-mère serait si fière de toi. Et tu crois que tu pourrais venir le soir où on donnera le spectacle? Déguisée en Mère Noël? J'aurais rien pu faire sans l'aide de grand-père. Tu sais, je suis étonnée. Il n'est pas aussi méchant que grand-mère le disait. Tu te berces d'illusions, chérie. T'as déjà dit ça avant. Dis-moi pourquoi. Parce qu'il n'était pas là pour ta grand-mère et pour moi quand on avait le plus besoin de lui. Quand est-ce que tu comptes avoir une discussion avec Marie? À propos de quoi? Bon, ça va, tu sais très bien ce que je veux dire. Brenda a donné sa version des faits à Marie et ta fille l'a transmise à Rebecca.
C'est le moment ou jamais de briser cette chaîne et de lui dire la vérité. C'est trop tard, Carl. Je ne tiens pas à remuer un passé douloureux. Tu comptes faire quoi au juste quand Marie sortira de l'hôpital? J'en sais rien. Je t'avouerai que je suis perdu. Ouh là, il faut que j'y aille, moi. Mais où tu vas comme ça? C'est une surprise. C'est ouvert. Tu viens, on va quelque part. Je peux pas, j'ai des devoirs. Oh, ça ne t'intéresse pas, un arbre de Noël? J'ai pas assez de place dans mon armoire. Ah, moi je te parle d'un vrai sapin de Noël. Un beau sapin qui ira au moins jusqu'au plafond du salon. Je prends ce que je veux? Absolument. Ah, ça c'est trop top. J'avais choisi moi, il était plus fourni. Mais non, il était tout maigrichon. Et puis il t'a dit que c'était moi qui choisissais. Oui, et on a fini par prendre le tien. Ouais, merci. Dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau pour Noël? J'en sais rien encore. Ah, tu ferais bien de t'y mettre, jeune fille. Oh, pour inviter les amis à venir décorer le sapin. Oui. Hein? Si on invitait Roxy, Carl, toute la bande. Ashley et Eve pourraient rester dormir à la maison. Eve t'a téléphoné? J'arrive pas à la joindre. Oh. Tu sais, en ce qui me concerne, tu peux inviter la reine d'Angleterre si t'en as envie. Allez, mon beau sapin. Blanchir les carottes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas vrai, tu cuisines? Non, je m'apprête à jouer au tennis. Bah évidemment que je cuisine. Génial, ça nous changera des plats surgelés qu'on mange d'habitude. Sois pas insolente avec moi. Oh, pour la fête, il y aura Roxy et Carl, c'est bien, hein? Oui, et Ashley a promis qu'elle viendrait. Tant mieux. Eve, t'as réussi à la voir? Non, mais je la rappellerai. Rebecca, je suis fière de toi. Dire que tu chantes en solo, ça c'est le bonheur. Oui. Waouh. Celui-là, c'est pour ta maman. Qu'est-ce qu'il est mignon. On va lui donner? Non, pas ce soir. Elle doit dormir à cette heure-ci. Si on passait la voir demain matin? Oui, bonne idée. Demain. Je te laisse cette nuit, d'accord? Oui. Bonne nuit. Oui, toi aussi. Bah alors, écoute, toi et ta maman, vous avez 1000 choses à vous dire. Je préfère que tu y ailles seule. Tu veux pas entrer un moment? Non, t'inquiète pas, je t'attends. D'accord. Allez, entre. Oh, c'est pour moi? Oui. Il est magnifique. Merci, ma chérie. Ça mérite un bisou. C'est Berthe qui l'a décoré. Vous avez l'air de vous entendre, à ce que je vois. Oui, on s'entend bien. Oh, j'ai eu Sally ce matin. Sally de San Francisco? Exactement. On a discuté et elle a dit qu'elle pouvait très bien nous héberger le temps que je me remette sur pied. Ah, repartir à San Francisco? Oui, ce serait une bonne idée. Toi, tu as plein d'amis là-bas. Mais j'ai pas envie de repartir. Tu sais, je n'ai pas le choix. Il faut que je me soigne. Vas-y, moi je reste avec Berthe. Non, on reste ensemble. Mais je suis bien là. Je t'ai dit de ne pas lui faire confiance. Oui, il était pas là quand t'as eu besoin de lui, ça je sais, mais il est super gentil avec moi. Rebecca! Bonjour, c'est Rebecca. Eve, s'il te plaît, tu veux bien me rappeler? On fait une fête pour la décoration du sapin et t'es invitée. Maman, je veux y aller. Eve, je t'ai déjà dit non. Mais maman... Son grand-père a été désagréable avec ta mère. Allez, je trouve ça injuste. Non. C'est ma meilleure amie. Le jour où Marie sera rétablie, tu iras la voir. Et en attendant, si tu n'as rien à faire, aide-moi plutôt à mettre la table. Eve!
Vous allez bien vous amuser. Ève, il faut que tu viennes. Maman veut pas. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as raconté à la maman d'Ève? Mais de quoi tu parles? Ève ne viendra pas chez nous parce que tu t'es montré désagréable avec sa mère. Merci, Berthe. Merci beaucoup. Madame, il faudrait qu'on se parle. Et les étoiles, avant, on décorait l'arbre avec ce genre de choses? Berthe est partie au magasin. Ah. Tiens, il t'en faut une grosse là-haut. Dis donc, il sera plus chargé que celui de Central Park. Pourquoi il a été courir au magasin? Mais tu le connais, notre Berthe. Il ne sait pas s'arrêter. J'y vais. Salut. Salut. Au revoir, maman. Bonne soirée, chérie. Je vous présente mon ami Ashley. Bonjour. Bonsoir. Salut Ashley. Tu viens, on va mettre ton sac dans ma chambre. D'accord. Quelqu'un veut un lait de poule? Sans alcool, avec des œufs, de la crème et un soupçon de muscade. Oh, avec plaisir. D'accord. Oui, moi aussi. Oui. T'as trouvé les étoiles? Oh, ils ont été dévalisés. Pas grave, l'arbre est super. Ah oui, tu m'étonnes, c'est Rebecca qui l'a choisi. Rebecca, il y a une surprise qui t'attend. Ève, t'es venue! Comment? Je suis si contente! Ton grand-père s'est montré très persuasif. Moi, c'est Ashley. T'as rien trouvé au magasin. Et non, je plaide coupable. Oh, que diriez-vous d'un peu de lait de poule? Oh, non, c'est gentil, s'il vous merci. Plaît. Et voici. Goûtez-le. Oh, tenez. D'accord. Merci, Roxy. Il est délicieux, vous verrez. Servez-vous. Merci. Merci à vous d'être là. Hé, les gars, laissez-moi vous donner un coup de main. Avant, tout le monde chante. Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Stroll the ancient Yuletide carol, la 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 la. Je compte. Et 5, 4, 3, 2, 1, lumière! Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when it's cold and drear. Oh, Christmas tree, you fill our hearts with gaiety. Ah, bravo! Au revoir, Berthe. Bonsoir. 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 Merci pour tout. C'était formidable. Quelle soirée. Oh, inoubliable. Merci pour le coup de main. Je t'en prie. Et on se retrouve pour le petit déjeuner. Oui, alors, à demain sans faute. Au revoir. Bonsoir. Oui. À demain, les enfants. Au revoir. Quel beau sapin, hein? Ah, j'en voudrais pas un autre. Merci, Berthe. Ravi que ça te plaise. T'as pas une tête de méchant. Oh. Je crois que c'est une façade. Je sais ce que je veux comme cadeau pour Noël. C'est quoi? Une cheminée à moi, pour que le Père Noël descende me voir. Thank you.
Oui, Rebecca. Oh, eh bien, elle et Ashley sont partis chez Eve pour tout le week-end. Ces trois-là me font penser aux mousquetaires. Mon Dieu, tu lui as manqué à cette petite. Ça a été dur pour elle. En sortant de l'hôpital, pourquoi tu ne viendrais pas t'installer à la maison le temps de te remettre sur pied? Tu vois, comme ça, Rebecca n'aura pas à changer d'école. J'ai l'impression qu'elle s'est bien intégrée. Et toi, une fois bien rétablie, tu pourrais te relancer dans la photo. Qu'est-ce que t'en dis? J'en sais rien, Berthe. Tu sais, je voudrais pas que Rebecca soit confrontée aux difficultés des adultes. C'est dur, tu en sais quelque chose. C'est trop top! C'est exactement ce que j'aurais dit! Oh, merci, t'es un amour, grand-père! Mais où cours-tu? Téléphoner à Ashley et Eve! Eh oui, quelle question! Oui! Grand-père! Grand-père! Alors quoi, personne ne répond au téléphone dans cette maison? Oh, c'est sûrement pas un appel pour nous. Ça va, c'est bon, j'arrive. Allô? Monsieur O'Reilly? C'est Madame Ortiz, la directrice de l'école. Oui, Madame Ortiz, que puis-je faire pour vous? Figurez-vous que Madame Casterling, qui devait s'occuper du spectacle, a dû s'en aller pour des raisons familiales dans l'Oregon. Oh, dites, j'espère que c'est pas grave. Vous n'allez pas annuler le spectacle? Non, non. Nous allons la remplacer. D'après Rebecca, vous savez danser, vous avez une jolie voix, non? C'est Rebecca qui vous a dit ça? Oui, elle m'a aussi appris que vous aviez dirigé des comédies musicales dans le passé. Oh! Alors, c'était qui? Oui, c'était qui? Ne jouez pas les innocents avec moi. D'accord, on sait tout. Mais c'est récent, Rebecca nous l'a appris à peine une demi-heure. Ah, alors tu as dit oui ou... Ça sera l'occasion de diriger ta petite fille. Écoutez, si toute la petite bande se reforme, j'accepte. Roxy au piano, tu serais partant. Oh, comment veux-tu que je te dise non? C'est trop tard. Oui, on peut négocier. Parfait, Adam est prêt à nous donner un coup de main pour la chorégraphie. Dans ce cas... J'accepte de vous diriger. Génial! Et je garde mon solo? Oui, tu le gardes. Oh, grand-père, t'es un crack! Catastrophe,
Si tout le monde y met du sien, nous serons prêts dans, disons, 3 jours. Oui. C'est bien. Juste à côté. Vous avez eu des nouvelles? Non, pas encore. Oh, bonjour, moi c'est Roxy. Votre père et moi sommes amis. Bonjour. Où est Rebecca? Oh, elle est partie chercher quelque chose à manger et à boire au distributeur. Rassurez-vous, monsieur. Ça ne doit pas être trop. Merci. Ça va aller. On lui a fait une angiographie. Et effectivement, 2 de ses artères coronaires sont bouchées. Dans ce cas-là, on fait une angioplastie. Il suffit de poser un cylindre de métal dans les artères pour éviter que cela se reproduise. C'est une intervention très courante. Soyez sans inquiétude. Je reviens vous voir dès que c'est fini. Merci, docteur. Je vais essayer de trouver Rebecca. Vous voulez un café? Oui, merci. Tu sais, j'ai voulu te dire une chose. S'il y a quelqu'un qui t'aime, c'est bien ton père. Alors là, Carl, j'en doute un peu. Marie, t'as-t-on raconté ce qui s'est passé entre Brenda et Bert? D'après ce que j'ai compris, il a quitté maman. À l'époque, il jouait dans un théâtre. Tu devais avoir quoi? 2 ans et quelques, je pense. Enfin bref, un metteur en scène qui s'appelait Russell tournait autour de ta maman. Il a viré Bert de la troupe. Première nouvelle. Ta mère avait 20 ans de moins que Bert. Elle voulait se faire un nom. Russell lui a promis la lune. C'est ce qu'elle voulait entendre. Alors, elle est partie avec toi. Et a rejoint Russell le soir de Noël. Ensuite, vous avez vécu ensemble pendant 1 an. Il l'a laissé tomber. Elle a demandé à Bert de reprendre la vie commune, mais quand on a beaucoup souffert, on ne tient pas à ce que cela se reproduise. Son refus l'a rendue folle de rage. C'est après ça que vous avez déménagé pour San Francisco. C'est impossible. Maman ne m'a jamais dit un seul mot sur ce type, ce Russell. Ça ne m'étonne guère. En tout cas, la pauvre a eu un mal de chien à m'élever. Il n'a jamais levé le petit doigt quand on avait besoin de son aide. Et c'était quand, ça? Par exemple, quand on lui a demandé de payer mes cours à la faculté, il a refusé de le faire. Non. Bert a payé toutes tes études. J'ai vu l'échec. Tous les deux, on est même allés te voir le jour de ta remise de diplôme. Voilà, c'est fait. Alors, comment va grand-père? Tout s'est très bien passé. Ah, tant mieux. Là, il est en train de se réveiller. Alors, je crois qu'il serait préférable de le laisser se reposer un peu. Ah, il faut que je signe votre bon de sortie. Mais je veux vous revoir après les fêtes. D'accord. Merci, docteur. Bonne fête de Noël. Merci beaucoup. À vous aussi. Allez, la paresseuse, on s'en va. Mais tu veux aller où? Bon, le mieux, c'est d'aller chez Berthe, non? Thank you.
Allez, toi, tu te reposes. Et nous, on se charge du spectacle, t'inquiète pas. Justement, je m'inquiète. Berthe, tu nous as mâché le travail. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de regarder. Tu restes tranquille et tu te reposes. Oui, est-ce que j'ai le choix? Ah, faut le laisser. Pas de folie. Il a raison. Surtout, repose-toi. Oui, madame. Merci. Bonjour. Coucou, Marie. Il est tout à vous. Oh, approche, approche. Et Rebecca? Elle est partie retrouver ses chers mousquetaires. Et toi, comment va ta jambe? Oh, ça va. Je commence la rééducation bientôt, alors. Et tu as pu conduire? Pas besoin de jambe gauche pour ça. Et pour toi, qu'a dit le docteur? Oh, il n'y aura pas trop de séquelles, grâce à Rebecca. Je dois rester en observation à l'hôpital un jour ou deux. Tu vas louper le spectacle? Oh, la bande va se charger de tout. Et personne ne verra que je ne suis pas dans les coulisses. Qu'est-ce que tu as, Marie? Karl m'a appris des trucs à propos de maman. Des trucs assez moches. Ah, bon sang. Quel faux frère, celui-là. Je suppose que tu es tombé des nues. Malade. Ta mère et moi étions en guerre. Et tu te trouvais coincé au milieu de ce désastre. Alors si tout ça c'est vrai, pourquoi tu t'es pas battu pour moi? Je l'ai fait. Si tu savais comme je me suis battu pendant des années, et puis... De place, c'est fait. Ça, c'est bien. Mais dis-moi, pour le solo, Rebecca a eu le temps de répéter avec Roxy. Oh oui, oui, ça roule. T'inquiète pas, on gère la situation. Alors détends-toi, tout va bien. Nous te ferons une vidéo. Pas la peine, Adam. Il me raccroche en plus. Ne réponds pas. Allô? Espèce de grand idiot, tu décroches ou pas? Un ange passe. Oh. Oui. Détends-toi, on fera une vidéo. Je veux pas voir de vidéo. Sauvé. Non, ça ira. Ah, c'est pour nous ça. En place. Allez, c'est à vous. Tout le monde est prêt? C'est parti. Je vous demande d'applaudir notre pianiste, Madame Roxane Roberts. Mesdames et messieurs, la production Berthe O'Reilly présente Un Noël fabuleux. Vous faites quoi, là? Une infirmière m'a dit que vous comptiez sortir. En effet, je m'en vais. Écoutez, je trouve que c'est une folie, monsieur O'Reilly. Oh, vous savez, docteur, quand on a mon âge... Parfois, la voie de la raison n'est pas toujours bonne à suivre. C'est peut-être pas indiqué pour mon cœur, mais... Ma petite fille joue dans un spectacle ce soir. Et si je manque ça, ça me brisera le cœur. Je croise les doigts. Ça serait gentil. Tu es sûr que c'est vrai, cette batterie?
Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a comme monde? Ça me fait un peu peur. Oh, si seulement Berthe était là. Oui, je sais, je sais. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Allez, fonce. Mesdames et messieurs, mademoiselle Rebecca O'Reilly. Mais j'en sais rien du tout. Rebecca, c'est à toi. Où elle est? Là-haut. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Quelle question. Rebecca, c'est ton tour. Oh, grand-père, j'ai peur d'y aller, si tu savais. Oh, t'as la bouche toute sèche. Et ton estomac qui fait des nœuds et tes genoux qui tremblotent. Oui. Oh, t'as le trac, c'est normal. Ah oui? Oui, ta grand-mère était sujette à ça à chaque fois. Ah. Et tu sais ce qu'elle faisait? Elle fermait les yeux et s'imaginait que chaque personne assise dans cette salle était une amie qui était là pour l'écouter. Oui. Et ton trac partira comme par enchantement. D'accord. Bien. Je t'aime fort, grand-père. Je t'aime fort aussi, Rebecca. Épate-les tous, je te fais confiance. D'accord. Drifting in the sky, I gotta sing a Christmas song. When I'm anywhere near a round bearded guy, I gotta sing a Christmas song. Something way down deep begins to tingle, and suddenly I'm hearing bells go jingle. And I'm tapping my toes to a drummer boy while I croon a Christmas melody. I'm singing of hope and eternal joy, a world in perfect harmony. I don't care if it's December or the winter is long gone. The smell of fruitcake, and I swear I feel a song coming on. And the feeling is still going strong. That's why I gotta sing a Christmas song. I gotta sing it loud. I gotta sing it strong. No lie, I gotta sing a Christmas song. Tu as été merveilleuse, merveilleuse. Allez, cours vite te changer, ça va être bientôt le final. Oh. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching, or silent flocks by night. Saluez les enfants, oui! Bravo! Bravo! Quel bonheur tout ça!
un petit remontant. Oh, c'est une bonne idée. N'ai jamais vu autant de cadeaux sous un sapin. Je crois que tu as aidé le Père Noël, non? Tu vois, à mon avis, ce sont les lutins. Tu es leur impresario ou quoi? Non, celui du Père Noël. Moi, j'ai dansé avec les lutins. Quel bon souvenir. Et joyeux Noël! Joyeux Noël! Ah, tu es là. Oh, quelle belle nuit de Noël. Oui, tu as raison. Tu penses à quoi? Si on transformait le grenier en chambre, ce serait possible? Non, c'est vrai, tu es sérieuse? Peut-être que ce sera pas rose tous les jours, mais on a tellement de choses à rattraper. C'est seulement si tu veux bien de nous. Si je veux de vous, c'est mon souhait le plus cher dans cette vie. Je t'aime si fort. C'est bon ça, délicieux. Je propose une petite dernière. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.